Honorable présence, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à ce prestigieux séminaire organisé en marge de la 15e édition MedDays pour les crises polymondes. Et le thème de cette édition, contrairement ou par contre le thème de ce prestigieux séminaire, c'est les territoires et le développement des investissements face aux enjeux globaux. Merci aux organisateurs, aux partenaires, aux nombreuses entreprises et personnes qui sont présentes. Un événement innovant car il invite à repenser la gestion du territoire et du développement, à les concevoir selon un nouveau paradigme, être agile face aux enjeux complexes et globaux. Mesdames et messieurs, dans un monde de plus en plus globalisé, soumis à des changements et reconfigurations constantes, l'exigence d'une continuelle adaptation, pour ne pas dire réinvention, donc il faut se réinventer, devient une question vitale pour les territoires en termes d'attractivité et de dynamique économique. Pandémie, bouleversement climatique, flambée inflationniste, guerre, loin de s'atténuer, les grandes crises qui secouent le monde actuellement ne semblent pas, et depuis quelques années, vouloir que se multiplier, quand ce n'est pas se mélanger et s'aggraver les unes les autres. Une telle situation interpelle constamment sur les capacités des territoires, des organisations ainsi que des entreprises à être agiles afin de maintenir leur position et continuer à générer de la valeur. C'est dans ce contexte global tel que décrit et pour aborder les thématiques de ce séminaire que j'ai le plaisir d'être accompagné par M. Jalal Benhayoun, directeur général du Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima, de M. Adil Reis, président de la CGEM Tanger-Tétouan-Al-Husseima, de M. Hamza Ben Abdallah, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de FESMCNES, et de Amjad Kiti, directeur du pôle Impulsion économique et offre territoriale. Je voudrais tout de suite vous remercier d'être avec nous et surtout de vous présenter et de exprimer votre réaction par rapport à la problématique. Je voudrais m'adresser à ces Ben Abdallah. À vous la parole dans un premier temps. Et merci. Merci. Bonjour à tous. Hamza Ben Abdallah, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région FESMCNES. Je crois qu'effectivement, la thématique a été, je crois, bien ciblée, bien choisie. Les territoires aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, les territoires ont toujours été définis d'une façon ou d'une autre. Mais les territoires qui existent aujourd'hui, je crois que c'est des nouveaux territoires qui existent depuis 2015, depuis le dernier découpage. Et l'attractivité de l'investissement est devenue un nouvel enjeu avec la nouvelle législation, avec les nouvelles lois qui existent. Aujourd'hui, les territoires, nul territoire ne peut prétendre à pouvoir accueillir n'importe quel investissement. Je crois qu'on va en parler, tout à l'heure, mais l'orientation des territoires, la façon d'attirer les investissements et comment bien recevoir ces investissements sera un enjeu de plus en plus grandissant dans les années à venir. Sébna Abdallah, est-ce que vous pouvez revenir juste une minute sur votre structure, parce que je vous ai demandé de vous présenter ainsi que votre structure, et comment votre structure donc réagit dans ce contexte-là de mouvance et de polycrise? Alors, la structure que je représente, qui est la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région FESMCNES, est une nouvelle structure qui est le fruit d'ailleurs de la fusion de trois anciennes chambres de commerce après le nouveau découpage administratif du Maroc, donc qui est la fusion des chambres de Tesa, de Fez et de Meknes. Et donc, qui a donné naissance à cette nouvelle structure qui aujourd'hui, en termes de taille, est la deuxième plus grande, bien plus importante chambre au niveau national et qui représente, donc, comme on sait, les industriels, les prestataires de services et les commerçants. Donc, toute personne qui a une patente, un registre commerce est automatiquement affiliée à la chambre de commerce. Donc, la chambre est là pour agir un peu comme défenseur de l'intérêt des commerçants, des industriels, et membre à part entière dans différentes structures pour représenter ces acteurs économiques. Donc, ça soit au niveau des comités régionaux unifiés d'investissement ou dans d'autres structures qui sont là pour prôner ou bien pour essayer d'améliorer les climats des affaires. Merci beaucoup, Samna. Même exercice pour Adil Reis. On reste toujours dans le secteur privé. Votre
votre institution, sa présentation et quelle est votre réaction par rapport à la problématique ou la thématique de ce séminaire. Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Adil Reis. Je suis président de la CGEM Tanger Tetouan Hesseima. Aussi, la CGEM se territorialise. Donc, il y a des CGEM au niveau des 12 régions au Maroc. Je rappelle aussi que les présidents des CGEM régionaux, ce sont des personnes élues par les adhérents de la région et qui ont leur représentativité et responsabilité. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je crois que territorialité est arrivée au Maroc beaucoup plus tard que dans d'autres pays. Je rappelle que les États-Unis ont été territorialisés ou régionalisés depuis pratiquement 2 siècles, que d'autres pays comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme l'Espagne plus récemment ont été territorialisés, régionalisés. Je crois que c'est une évolution aujourd'hui mondiale. C'est une évolution qui permet une décision beaucoup plus rapide, une connaissance du terrain beaucoup plus, je dirais, complète de la part des acteurs qui sont au niveau local. Et c'est inéluctable. Je crois qu'un pays centralisé, certainement, ses réactions, ses décisions ne sont pas toujours les bonnes, sont tardives, sont inadéquates, sont inappropriées. Et la territorialité ou la régionalisation est un outil fondamental pour que chaque région puisse appréhender ses problèmes et puisse résoudre ses problèmes d'une façon beaucoup plus adéquate. On l'a vu dernièrement, mettons, vous avez parlé tout à l'heure du Covid. Eh ben, il y a eu des instructions au niveau national et chaque région l'a géré d'une façon tout à fait propre. Et je crois qu'on l'a géré, nous, avec un dynamisme et une adaptabilité qui est extraordinaire. Très peu d'entreprises ont été fermées. Nous avons pu corriger là où il fallait corriger tout de suite. On a travaillé main dans la main avec l'autorité de la région pour essayer d'agir là où il faut agir. Imaginons que si c'était centralisé, je crois que les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Donc territorialité aujourd'hui, c'est fondamental. Les problèmes Tanger, c'est Tanger avec ses structures, avec son industrie, avec ses problèmes, avec ses particularités. Je ne peux pas aujourd'hui, mais je suis à Casa, et aussi j'ai une entreprise à Casablanca et Tanger, mais ça n'a rien à voir. Tanger, c'est Tanger, Casa, c'est Caja. Et je crois que chacun doit maîtriser mieux son territoire et les problèmes qui sont liés à son territoire. Donc vous partez du principe qu'il y a des spécificités territoriales qu'il faut gérer aussi en fonction de ces territoires. Merci de cette précision. Je voudrais maintenant interroger Amjad Kiti. Vous êtes directeur du pôle impulsion économique et de l'offre territoriale. La présentation de votre institution pareil et ainsi votre sensibilité, votre réaction par rapport à la thématique de ce séminaire. Et merci d'être avec nous. Merci, c'est moi. C'est un plaisir d'être là parmi vous et de représenter le CRIFES MCNES. Donc le CRI, donc le Centre Régional d'Investissement, qui est le guichet donc unique donc pour l'investissement à l'échelle de la région FAS-MCNES, et donc il y en a donc au niveau de chaque région à l'échelle donc à l'échelle du Royaume. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je crois que j'ai un point donc pour rebondir justement sur ce qui a été dit. La territorialité, comme a été justement pensée et selon la vision de Sa Majesté Lane Soro, vise à avoir cette incrémentale par rapport à la somme des régions. L'idée, c'est de vraiment accroître en quelque sorte le gâteau. Donc non seulement être compétitif entre nous, mais vraiment de chercher cette efficacité, cette synergie et aussi cette complémentarité pour avoir un incrémental à l'échelle internationale. Donc je crois que la vision, elle est très stratégique. C'est vrai s'il a donné des benchmarks, mais je crois qu'on ne pourrait pas avoir justement cette incrémental sans passer par la territorialité. Donc l'idée aujourd'hui, chaque territoire, c'est vrai, l'a bien dit, chaque territoire a ses spécificités, mais a aussi ses avantages compétitifs. Et on devrait justement aller sur ces avantages, capitaliser dessus pour que chaque région ait un incrémental par rapport aux autres, pour que la compétitivité justement soit saine et qu'elle dégage un incrémental. Et je crois que c'est ça la vision aujourd'hui entre les régions
dont justement à travers tous les acteurs, dont le Centre régional d'investissement. Merci beaucoup, Sam Jad, de cette précision, de revenir encore sur ces spécificités, sur l'aspect aussi compétition interrégionale. Je voudrais avoir la sensibilité de Sijalal Benhayoun, vous êtes directeur général du Centre régional d'investissement de la région dont j'étais dans l'Husseima. Merci d'être avec nous. La présentation de votre institution et aussi votre sensibilité par rapport à cette problématique qui constitue le thème de cette rencontre. À vous la parole. Merci, cher Mounir. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et ravi de vous voir en nombreux avoir répondu à notre invitation, une initiative qui est dans l'origine le CRI de Tanger Tetouan Al-Husseima et le CRI de Fass Meknès, ce qui est une preuve un peu de la complémentarité des synergies qu'on essaye de mettre ensemble depuis la mise en œuvre effective de la réforme des centres régionaux d'investissement, qui sont des institutions publiques autonomes chargées de la supervision de l'acte d'investir de bout en bout. L'acte d'investir au Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été parmi les premiers actes qui ont été décentralisés, voire territorialisés, avec la création des CRI, avec la lettre royale et tout l'historique par lequel les CRI ont passé, justement parce que notre pays était toujours conscient de l'importance de l'acte d'investir, une fois. Donc, on croit énormément à l'investissement privé. Et puis, en sachant que l'investissement est un acte très fragmenté, très transversal, dans lequel agit l'ensemble d'une chaîne de valeur qui est très complexe. Donc, du coup, il fallait avoir un organisme qui porte le sujet et qui soit son métier au quotidien de coordonner l'action collective avec une harmonie qui soit parfaite entre l'ensemble des parties prenantes publiques et privées en vue de servir l'investisseur et de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, superviser cet acte d'investir et le faire réussir, le faire sortir, le suivre par la suite, ce sont les missions du CRI, et être là tous les jours pour l'investisseur et afin d'améliorer son expérience, améliorer son vécu dans le territoire, dépendamment de la spécificité de chaque territoire, et lui permettre de croître très rapidement. Donc maintenant, justement, c'est une chance, puisque le Maroc a anticipé sur cela. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde est en train de vivre des mutations perpétuelles avec des crises, avec des changements géopolitiques, avec les disruptions qu'on vit tous les jours, l'intelligence artificielle, avec les crises sanitaires ou autres. Donc, du coup, les territoires doivent être capables d'être agiles, d'accompagner l'investissement privé. Et c'est ce qu'on sent tous les jours quand on reçoit les investisseurs. On voit cette température, on voit la vitesse avec laquelle, la vitesse parfois décalée, d'un pays d'origine à un autre, d'un investisseur à un autre, l'urgence qui est portée par les investisseurs pour faire croître leur business, de nouvelles contraintes qui viennent tous les jours. On va parler certainement tout à l'heure de la décarbonation, des enjeux de se positionner avec les chaînes de valeur et les chaînes logistiques, les barrissantes logistiques qui sont en train de bouger d'une façon perpétuelle au sein du monde. Donc du coup, on voit cette température, on est obligé de nous adapter et d'anticiper pour être agile et répondre aux besoins de ces investisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Sijalal, surtout d'avoir mis en exergue cette problématique qui rentre dans le paradigme maintenant de la décision, qui est la complexité et qui nous pousse donc à être agile, à être inventif. Je voudrais revenir sur la position et surtout la pensée de Sibna Abdallah par rapport à cette problématique. C'est vrai que nous sommes dans une logique de multifactorialité, c'est-à-dire que nous sommes face à une complexité. Comment votre institution agit dans ce cadre-là? C'est-à-dire que nous sommes dans une logique d'imprévisibilité, d'un paradigme qui devient de plus en plus compétitif. Vous avez parlé de la capacité que vous avez à régir ou à gérer votre territoire. Est-ce qu'il y a aussi des logiques de compétition, c'est-à-dire un rapprochement avec d'autres institutions, d'autres régions, pour que vous puissiez réfléchir ensemble face à cette problématique de volatilité de décision au niveau mondial? À vous la parole, Sibna Abdallah. Effectivement, alors il faudrait, je crois, commencer par définir le territoire. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, le nouveau découpage régional, on a tendance à penser automatiquement à un territoire. C'est une limite géographique. Un territoire fermé, région. En fait. Ouais. Absolument. Alors, quand on parle d'investissement, je crois que l'horizon du territoire est un peu plus large.
ou plus serré, dépendamment du genre d'investissement qu'on est en train de planifier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les territoires administratifs, on parle des préfectures, des régions, de groupements de régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont aujourd'hui complémentaires, mais aussi qui sont en compétition. Je crois que l'implantation de ces nouvelles régions a créé cette envie de se développer plus rapidement, et donc cette compétition entre régions à vouloir ou à pouvoir accompagner au mieux les investisseurs qui sont sur son territoire, mais aussi à innover plus sur comment est-ce qu'on peut attirer, comment est-ce qu'on peut faciliter l'acte d'investir et comment est-ce qu'on peut être plus agile pour réagir aux imprévus. C'est vrai, tout à l'heure parlé de la réaction par rapport au Covid, c'est une réaction qui a été exemplaire au niveau national, mais que chaque région a fait et a eu à sa façon. Pourquoi ? Parce que le tissu économique est un peu différent d'une région et d'une autre. La taille des entreprises sont différentes et le genre d'investissement et le genre de secteur économique qui lead dans les régions ne sont pas les mêmes. Dans une région où il y a plus de services, c'est différent d'une région où il y a plus d'agriculture, c'est différent d'une région qui a plus d'industrie formelle, d'autres régions c'est plus d'industrie informelle, etc. Donc il y a vraiment cette différenciation sur le tissu économique et sur le genre d'investissement qu'on va retrouver d'une région à une autre, qui va faire que cette agilité qu'on cherche tous à avoir, toutes les institutions, va être différente. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'améliorer la compétition et donc d'améliorer la réactivité de nos institutions pour pouvoir accomplir leur objectif. Donc, principalement aujourd'hui, toutes les institutions qui sont aujourd'hui présentes, c'est pour accompagner l'investisseur, c'est pour accompagner l'acteur économique. Et donc, on va essayer de chacune de nous différencier par rapport à ça. Mais l'autre côté de cette territorialité, c'est que ça crée des alliances. Des alliances, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les territoires sont conscients que, peu importe cette limite géographique de ce territoire, il ne peut prétendre à avoir toutes les caractéristiques, tous les atouts pour réussir n'importe quel investissement. Donc, des ponts se créent parce que des entreprises ont des besoins. Ces besoins ne sont pas toujours présents dans un même territoire. Donc, des complémentarités se créent. Aujourd'hui, on retrouve des entreprises qui sont installées sur 2, 3, 4 territoires et qui arrivent à créer cette valeur ajoutée grâce à leur implantation sur plusieurs territoires. Et nos institutions sont encore là pour essayer de jouer ce pont, d'aider à créer ce pont entre les territoires pour améliorer et fluidifier un peu le travail et la façon de faire de ces entreprises. Merci beaucoup, Serdla, de préciser en termes clairs que la territorialité n'est pas une autosatisfaction. Donc, il y a cette possibilité de s'ouvrir sur d'autres territoires et puis de générer de la valeur ensemble, être innovant, être agile. Je voudrais maintenant interpeller Adil Reis, vous êtes représentant du secteur privé. Est-ce que dans ce monde de complexité, de paradigmes qui sont changeants, vous sentez que vous avez les dispositifs d'accompagnement qui suivent aussi cette tendance, c'est-à-dire vous apporter cette agilité de manière à piloter vos investissements? Vous m'interpellez sur des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, bah, surtout pas que vos voisins donc, représentent ces dispositifs d'accompagnement, donc on pourra par la suite entendre leurs réactions. Oui, d'accord, mais je vais être franc. Je crois que le secteur privé n'a pas la main sur la territorialité ou la régionalisation. C'est une décision d'abord politique. Et nous sommes bien sûr par deux personnes qui ont deux intérêts différents dans des régions différentes vont réagir d'une façon tout à fait adaptée à chaque région, à chaque entreprise qui est installée d'un côté ou de l'autre. Je crois que le secteur privé doit être, bien sûr, doit appuyer et doit être pour cette territorialité, cette régionalisation. Je rappelle, moi, qu'en Afrique, il y a malheureusement peu de pays très décentralisés, très territorialisés. Nous avons, nous, hérité un modèle français très centraliste et que les anglo-saxons ont tout de suite compris l'importance de la décentralisation, les Espagnols aussi, et que nous devons aller vers cette décentralisation, vers cette territorialité, pour que chacun puisse exprimer les forces qu'il a.
Je ne crois pas en plus qu'il faille avoir peur de la concurrence entre régions. Moi, j'entends, territorialité, mais attention. Non, il n'y a pas d'attention. Dans quelques temps, je crois qu'en juin, il y a, je rappelle ceux qui connaissent un peu l'événement, un événement important aux États-Unis qui s'appelle Select USA, où toutes les régions viennent à Washington vendre leurs régions. Donc on est dans une logique de marketing territorial, c'est-à-dire de faire la marketing, offre, communication, particularisme, ce que vous voulez. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je crois que nous allons tous gagner si nous exprimons nos forces, nos particularités, bien sûr, son esprit malsain. Ce n'est pas détruire l'autre, c'est vendre ce que nous avons de bien. Mais il faut libérer. Mais il faudrait libérer d'une façon tout à fait totale, pas partielle. Il y a ceci, il y a cela. On décentralise ici, on laisse... Je rappelle encore, la Chine. On croit que la Chine est un pays très centralisé. Il est très centralisé au niveau politique. La Chine, que je connais bien, c'est un pays qui est hyper décentralisé au niveau administratif et économique. Chaque région a son parlement, ses décisions, etc. Donc, quand nous voyons le trend de croissance de ces pays décentralisés, ce sont des pays qui ont cru très vite, et en plus, ils se sont adaptés très vite. Alors, c'est très clair. Un modèle qui est centralisé, qui a sa lourdeur, sa distance par rapport au territoire ou la décision qui doit être prise, et les pays ou les États qui ont pu mettre en place un système très, très souple, très dynamique, très réactif, et qui ont libéré les potentialités de chaque région. Nous devons aller vers ça. Je crois qu'il faudrait avoir tout le courage pour y aller, bien sûr dans un système qui est organisé, pas dans l'anarchie, très clair, et que chaque région puisse... On parlait tout à l'heure de Fès et Meknès, les potentialités ou les particularités de la région de Fès et Meknès, on l'a pas. Et ce que nous avons, ils l'ont pas, en grande partie. Il y a une partie qui peut être similaire, mais en partie, elle est différente ou complémentaire. On peut appeler complémentaire. On a toujours peur complémentaire, etc. Non. Libérons. Faisons en sorte que chaque région s'émancipe économiquement, se vende, communique sur ses forces et libérons les capacités que chacun a pour essayer d'aller le plus loin possible. Nous allons tous y gagner. Mais le problème de territorialité, quand on parle de région, il faut faire attention. Comme ça se passe ici, c'est pas Tanger, c'est toute la région. Donc il faut trouver réellement un équilibre entre les composantes d'une région pour qu'elles se vendent de façon complémentaire. Donc, ça, c'est le challenge que nous avons. Donc vous êtes pour ce qu'on appelle une homogénéisation de l'ensemble des atouts d'une région pour qu'elle puisse constituer son offre à faire valoir. Et ailleurs, il y a territorialité ou régionalisation, il y a sous-territorialité. Donc Husseima, ce n'est pas Tanger. Tanger n'est pas Tétouan. Tétouan n'est pas l'Arrache. Mais c'est nous combinons le tout... nous arriverons à avoir une offre qui est globale, intéressante, mais il faudrait la libérer pour qu'elle puisse se vendre et qu'elle ait ses moyens de développement propres. Merci beaucoup, Sia Adib. Effectivement, donc, vous avez des accents de vérité dans votre propos. Je voudrais interpeller maintenant Sia Amjad par rapport à cette problématique de constitution d'une offre globale qui soit homogène au niveau de la région de manière à la faire valoriser dans des logiques de marketing territorial. Quelle est votre position par rapport à cela et comment donc vous arrivez à valoriser votre territoire tenant compte de ses spécificités et aussi de la compétition des autres régions? À vous la parole. Très bien, merci. Alors, au niveau du CERI, l'une des missions, c'est justement le développement justement de l'offre territoriale. Aujourd'hui, on en est bien conscient, chaque territoire il a justement ses atouts. Maintenant, il faudrait justement construire et packager, donc pour qu'il y ait un vrai package, qu'on ne parle pas du capital humain séparément, des incitations, du foncier, etc. Vous êtes dans une logique intégrée, en fait. Il faut une logique tout à fait intégrée, qu'on la package et surtout qu'on se positionne dessus. Parce que même avec toute la bonne volonté qu'on veuille justement avec les autres régions être compétitif sur certains créneaux, si on ne communique pas dessus et si on ne se positionne pas dessus, ben, il risque toujours d'y avoir des interférences. Donc l'idée très simple, c'est d'avoir justement un package, donc une offre intégrée, là, communiquer, donc se positionner dessus et communiquer dessus pour qu'on sache que justement, Fès Meknès aujourd'hui, c'est compétitif, c'est porteur sur 1, 2, 3, 4, 5 écosystèmes.
qu'on veut justement développer. Donc, le CERI, pour répondre directement à votre question, ce qu'on fait, on est allé chercher au niveau, en se basant justement sur les gisements du nouveau modèle de développement. Donc, on les a confrontés au SRAT, au schéma régional de l'aménagement du territoire qui vise l'horizon 2042. On a étudié chacun de ces 22 gisements donc, qui se croisent en termes de compétitivité, en termes de génération d'emplois, de création d'emplois, et aussi en termes de croissance de chaque filière. Nous avons défini les filières les plus porteuses au niveau de la région Fès-Meknès, au niveau justement de ces facteurs croisés, la compétitivité, la croissance et la génération d'emplois. Puis, nous avons étudié quels sont les écosystèmes drainés par ces filières. Je donne des exemples concrets pour ne pas rester donc, sur la théorie. Donc, on sait très bien que la région Fès-Meknès est très compétitive en termes d'agroalimentaire. Donc, l'agroalimentaire, il va justement drainer avec lui toute la filière et le secteur d'agriculture, où la région elle est déjà positionnée donc deuxième à l'échelle nationale. Les plantes médicinales et aromatiques, qui ont un fort potentiel de croissance, surtout. Et on a créé tout un écosystème autour de ces trois secteurs. On a fait pareil pour le tourisme, l'artisanat, pour les industries créatives et digitales, pour les industries de mobilité, mais aussi pour le textile et le cuir. L'idée aujourd'hui, nous avons défini ces cinq écosystèmes comme les écosystèmes les plus porteurs pour la région. Nous sommes aujourd'hui en train de développer toute une campagne de communication autour de ces filières. On a en parallèle avec le partenariat justement des autres acteurs qui ont d'ailleurs bâti cette stratégie, parce que c'est avec eux et pour la région. L'idée, c'est in fine de fédérer, parce qu'on ne se positionne pas sans fédérer les autres acteurs. L'idée, c'était de fédérer d'abord le conseil régional, parce que l'idée in fine, c'est que ce soit porté par des institutions donc, qui peuvent justement financer ces programmes et ces projets. Donc, nous avons justement l'adhésion à un partenariat avec le conseil régional, concrètement au niveau de la région Fès-Meknès. Et sur le volet économique, le nouveau PDR intègre justement une bonne partie de ces programmes pour développer ces projets. Nous avons été voir à l'échelle centrale et aussi à l'échelle régionale donc les différents départements ministériels. Sur le tourisme, on a été justement chercher les convergences avec le ministère, avec la SMIT, avec l'ONMT, pour arriver à des feuilles de route convergentes qui intègrent ces écosystèmes. Donc, je crois que c'est parmi les facteurs clés justement pour réussir à se positionner dessus, à communiquer et ne pas avoir d'interférence avec les autres régions. Merci beaucoup, Siam Jad, de rappeler cette dimension intégrée, écosystémique, qui doit bien sûr constituer le soubassement de votre approche de valorisation de vos territoires. Justement, je voudrais interpeller Sijalal Benhayoun, parce que quand on parle d'une offre territoriale ou du marketing territorial, vous savez, on est dans une logique de marketing, de l'offre et de la demande, donc de marché. Vous savez que nous sommes dans un marché, dans un monde qui est mouvant, qui est changeant, et donc on est face à de nouveaux concepts. On parle d'économie inclusive, on parle de développement durable. Comment cette offre que vous destinez à l'extérieur, au monde extérieur, au monde des investisseurs, peut-elle accompagner ces évolutions? Parce qu'on est dans le marketing, donc on est dans le changement des attentes. Et comment vous pouvez avoir cette agilité et cette résilience, voilà, donc pour vous adapter à ce contexte qui est mouvant? À vous la parole, c'est Jalal. Merci beaucoup pour la question. En fait, écoute, on est dans une région, on a une chance d'être dans une région qui fait partie d'un pays qui est porté par une vision éclairée, la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et je viens à cette offre territoriale qui a été anticipée. Et si je parle de la région de Tanger, si je dis qu'on a de la chance, c'est une région qui a connu une transformation très, très, très profonde durant ces 20 dernières années. Et c'était une anticipation de construction collective d'une offre territoriale intégrée, avec tous les programmes intégrés qui ont été développés dans les différentes villes, Tanger Métropole, programme de développement intégré de Tétouan, le Hussein Mamanarat Moutawassit, la grande vision Tanger Med, qui est devenue aujourd'hui un mastodonte international, les autoroutes, la LGV, les institutions de formation, le plus grand CHU, le plus grand complexe hospitalier en Afrique du Nord, etc. Tout ça, c'était de l'anticipation, aligné à une vision. On voyait ce qui était en train de venir, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer au niveau du monde, ce qui va arriver, et le monde entier ne voyait pas ça.
Donc aujourd'hui, il y a une grande partie de la planification, de la mise en œuvre de cette offre territoriale a été anticipée pour notre région. Aujourd'hui, notre défi, et c'est aussi la notion du cercle vertueux de la construction de l'offre territoriale, c'est de continuer à être aligné avec les besoins pressants des investisseurs. Les volumes des investissements qu'on a au sein de la région, depuis l'année 2020, nous, on a autorisé plus de 1500 projets avec des montants faramineux, 150 milliards de dirhams d'investissements privés, juste depuis 2020, avec 400 000 emplois directs, stables, créés à terme. Depuis l'entrée en vigueur de la charte d'investissement, 40 conventions d'investissement dans le cadre de la charte ont été approuvées à l'échelle régionale. 9 000 emplois, 9 milliards de dirhams. Donc c'est des montants faramineux et on ne cesse d'avoir une pression chaque jour plus forte que le jour d'avant. Et le défi, c'est d'accompagner les investisseurs, de faire étendre cette offre territoriale avec l'ensemble des parties prenantes au niveau de la région, en capitalisant sur ce cycle vertueux qui était mis en place, qui sont les infrastructures, qui sont les programmes de développement, ainsi de suite. On a aujourd'hui une région qui dispose de 25 zones d'activités économiques qui sont mises en œuvre ou planifiées, qui sont en cours d'étude, qui sont développées, qui offrent 5000 hectares pour les investissements au sein de l'ensemble des territoires qui sont alignés avec ces programmes de développement intégrés et qui permettent à l'investisseur, quand il vient, de trouver tout ce qu'il souhaite en termes de disponibilité, en termes d'offre territoriale, en termes d'accompagnement et surtout une maturité de l'écosystème. Quand les investisseurs viennent, ils sont surpris parce qu'on connaît déjà leurs besoins, pas parce qu'on est brillant, parce qu'on a l'habitude chaque jour de voir des investisseurs aussi exigeants. Et c'est ce cercle vertueux qui fait développer notre région très très vite et qui bénéficie aussi à d'autres régions du Maroc de cette notion de locomotive. Notre région joue aujourd'hui la locomotive de développement industriel pour plusieurs régions du Maroc, dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aéronautique, dans le monde du textile, ainsi de suite. Et c'est le défi qu'on a au quotidien. C'est pour ça qu'on continue à essayer de relever ce défi. Le secteur privé joue un rôle très, très important parce qu'ils sont en train de nous talonner tous les jours, de nous bousculer avec les besoins, avec les exigences. Nouvellement, avec l'entrée en vigueur de la charte, un nouveau élan a été donné. Heureusement, au niveau de la région qui est très, très sensibilisée par rapport à ça, le conseil régional, en partenariat avec le CRI, en partenariat avec la Wilaya et d'autres partenaires à l'échelle régionale, a mis en place, encore une fois, un cadre incitatif territorialisé, unique de son genre au niveau du Maroc, et qui permet justement à équilibrer l'investissement privé au sein de l'ensemble des territoires. Mais comme j'ai dit, c'est un défi au quotidien de pouvoir répondre aux besoins des investisseurs qui bougent presque tous les jours. Justement, hein. Jalal, je voudrais vous poser une question, parce qu'au fait, là, on parle de résilience, de capacité de suivre ces tendances et ces évolutions de besoins d'investisseurs. Comment vous faites? Vous appuyez sur quel ressort? Est-ce que je vous ai entendu parler d'intelligence artificielle, de data, etc. Est-ce que vous explorez ces domaines pour être à jour dans votre offre territoriale? Ce n'est pas un choix, une obligation. C'est une obligation, là. C'est une obligation, c'est pour ça qu'on investit lourdement. On croit beaucoup à l'intelligence collective, à l'intelligence communautaire avec notre communauté. Nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Manar Mustatmir, qui est un guichet unique d'accompagnement des investisseurs. L'investisseur, il vient, il s'inscrit, et puis à la fin, il a un parcours optimisé, coordonné avec l'ensemble des parties prenantes pour faire aboutir son investissement le plus vite possible. Moi, j'ai vécu des cas d'investisseurs qui ont passé des mois en train de tourner dans le pays, sans trouver la bonne porte. Ils ont perdu des mois. Et c'était celle de votre région, bien sûr. Comment? Non, mais justement, c'est le défi aujourd'hui. C'est quand on attrape un investisseur, qu'on lui colle un parcours optimisé. De la région de Fès qui sourit, donc certainement, il a une réponse. On lui colle un parcours optimisé pour lui faire gagner de l'argent, et c'est ce qui va lui permettre de revenir. C'est ce qui va lui permettre d'agrandir ses investissements. Et c'est pour ça que dans notre région, on va voir quelqu'un qui va commencer par une unité de commercialisation de produits industriels automobiles. Et au bout de moins de 10 ans, il y a 5 usines qui font employer des milliers de personnes dans la même ville. Ça, c'est unique dans son genre. À Tanger, ça existe. On a des usines qui se sont développées au bout de 10 ans, de 0 jusqu'à 5 usines. La constitution de l'offre territoriale est un exercice permanent. On peut parler du foncier. On a mis en place des guides de foncier qui sont très détaillés, des guides de zones industrielles, des guides de financement. Et à chaque fois, c'est pas le CRI tout seul qui travaille. Comme j'ai dit, notre mission principale, c'est de coordonner au quotidien nos actions, nos efforts avec l'ensemble des parties prenantes. On n'a pas la baguette magique.
Merci beaucoup, Sijlal. On reviendra sur d'autres sujets d'ailleurs de cette offre intégrée et de sa capacité donc à suivre les tendances. Je sais que vous êtes très dynamique parce que vous partez dans différentes destinations, pas que marocaines. Vous êtes bientôt à Barcelone, donc certainement vous avez enregistré les mécanismes de pensée et d'attente des investisseurs barcelonais et que certainement vous avez aussi une offre à leur proposer. Je voudrais réagir par rapport au sourire de Sibna Abdallah. Donc je pense qu'il avait quelque chose à dire. Quand on parle de polycrise, polymonde, donc il y a aussi des exigences. J'ai entendu Sijlal parler de décarbonation de plusieurs sujets. Donc on parle du développement durable, de développement circulaire, etc. Donc il y a une nouvelle terminologie qui accompagne cette polycrise, ce polymonde. Et comment votre institution donc réagit par rapport à cela? Quels sont les dispositifs que vous apportez aux entreprises de manière à être calibrées par rapport à ces nouvelles exigences? Effectivement, aujourd'hui, il faut aller au plus vite et s'adapter au plus vite aux exigences de l'investisseur. Vous avez parlé de décarbonation, la taxe carbone, c'est quelque chose qui est proche. Je crois que tout le monde travaille dessus, pas à la même vitesse. Je crois que le Maroc travaille dessus. Justement, pourquoi pas à la même vitesse? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des niveaux de maturation sur la problématique? Est-ce qu'il y a des problèmes, des blocages? À quel niveau? Non, c'est la sensibilité de chaque territoire, justement. Vous allez retrouver un territoire. De secteurs aussi, peut-être, non? Et des secteurs. D'accord. Parce que quand on parle aujourd'hui de taxe carbone, on parle plus d'entreprises exportatrices vers l'Europe. Donc, les régions qui n'ont pas beaucoup d'entreprises exportatrices vers l'Europe se sentent, à mon avis, à tort, moins concernés que d'autres qui ont plus d'entreprises qui sont concernées. Aujourd'hui, l'écologie et l'environnement, c'est un enjeu majeur, on le connaît. La compétitivité de nos entreprises demain, ça sera par rapport aussi à leur impact environnemental. Les nouvelles infrastructures aujourd'hui qui sont en cours de mise en place au niveau national, je parle notamment des quartiers industriels, inclut l'aspect écologique et l'aspect énergie verte, parce qu'aujourd'hui, ça commence à devenir, ou bien ça va devenir un prérequis pour pouvoir exporter des produits vers l'Europe. Sauf que tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde ne va pas agir de la même façon. Ça nous remet sur la question de la compétitivité des territoires. C'est tout à fait normal qu'on ne réagisse pas de la même façon, et parce que peut-être sur d'autres régions, les priorités sont autres. Nous, au niveau de notre région, aujourd'hui, on travaille sur un quartier industriel qui est totalement décarboné. C'est peut-être pas l'unique au Maroc, mais on a mis en place ce dispositif parce qu'on est conscient que demain, un investisseur qui voudra investir dans un secteur exportateur prendra sa décision d'investissement dépendamment de ce genre d'infrastructure. On a aussi mis en place un fonds d'investissement régional qui permet aujourd'hui de financer des équipements pour les entreprises actuelles, pour des équipements d'énergie verte. En l'occurrence, tout ce qui est plaques solaires, etc. C'est un avantage qu'on essaie d'offrir au niveau de notre région par rapport à d'autres régions. Cette compétitivité aujourd'hui entre les régions nous permet d'avancer et d'essayer de trouver des solutions novatrices pour pouvoir répondre à ces besoins et aussi aux exigences des marchés étrangers qui sont nos principaux clients. On n'a pas tous les mêmes atouts, c'est très différent. Tout à l'heure, on en parlait, on disait que, par exemple, peut-être qu'au niveau de notre région, de Fès Meknès, on est aujourd'hui le premier pôle universitaire au Maroc, donc une formation supérieure de qualité, on essaie d'investir ou bien d'attirer plus une sorte d'investissement sur, par exemple, on a lancé le premier quartier industriel 4.0 au niveau national. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un axe de différenciation, mais aussi c'est un moyen de répondre à ce nombre de diplômés supérieurs qui aujourd'hui est issu des universités publiques ou privées et qui cherchent des emplois de qualité. Donc on se dit que n'étant pas une ville ou bien n'étant pas une région qui a la chance d'être comme Tanger sur la porte de l'Europe avec un port exportateur, etc. Vous avez une chance ici à Tanger. Bien sûr. Écoutez, chaque région au Maroc a ses atouts. Il n'y a pas une région qui a zéro atout. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur notre atout et les atouts de chaque région et comment est-ce qu'on peut mettre en commun
nos atouts pour pouvoir être encore plus fort que travailler seul. Parce que il faut pas oublier, on parle de territoire, mais il y a aussi un grand territoire qui est le Maroc. Alors, on doit pas oublier qu'on travaille tous dans le cadre de ce Maroc, et travailler et mettre en commun les atouts de chaque région va nous permettre et va permettre à nos entreprises, à nos investisseurs d'être encore plus rentables et encore plus forts sur un marché qui est aujourd'hui international. On est en concurrence avec d'autres pays, avec d'autres concurrents, avec d'autres entreprises qui ont d'autres atouts aussi, hein, il faut pas l'oublier. Et donc, faire valoir nos atouts et essayer de capitaliser dessus, je crois que c'est un enjeu majeur. Et anticiper ce qui va arriver. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, vous avez parlé de pas mal de sujets. Ça rentre dans l'anticipation. Essayer de voir ce qui va arriver et avoir un pas en avance par rapport à nos concurrents beaucoup, étrangers merci et majeurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Sir Abdallah. Vous avez évoqué le capital humain qui est déterminant d'ailleurs dans la compétitivité des régions et puis surtout d'investir dans ce capital humain parce que c'est le garant de l'essor durable d'ailleurs de l'investissement et de l'essor des régions. Vous avez aussi parlé de la compétition compétition des régions, mais au service de l'économie marocaine. Je voudrais maintenant interpeller Saadir Reis, parce que votre voisin a parlé de ce qu'on appelle de variété au niveau des secteurs, en termes de maturité sur beaucoup de sujets. Est-ce que vous le sentez au sein de la Confédération dont vous représentez ici régionnellement le titre? À vous la parole. Merci beaucoup, Saadir. Oui, la variété fait partie un peu de la force de Tanger, de la région de Tanger. L'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agro-industrie à Marrakech. Ah là, vous partez un peu loin. à l'arrache. Vous avez besoin de passer un week-end à Marrakech. Oui, j'extrapole. Et oui, bien sûr, il y a des particularités. On ne peut pas parler d'artisanat dans la région. On ne peut pas parler d'industrie électronique dans la région. On ne peut pas parler d'un certain nombre de secteurs qui n'existent pas dans la région, qui existent avec un poids faible dans la région. Donc nous avons une particularité, nous avons une industrie qui a été... Et en plus, c'est l'histoire, il faudrait la remettre réellement à son... Comment dire, il faut parler de l'histoire comme un élément fondamental pour raconter un peu ce qui se passe à Tanger. Alors, souvent, nous disons, Tanger, elle est ce qu'elle est grâce au port. Eh bien, non, Tanger d'abord a une histoire des années 20, 30, 40, était une place financière internationale. On a enterré la place financière internationale et Tanger a eu déjà une industrie ici dans les années 70. La zone industrielle de Tanger, à la sortie de Tanger vers Tétouan, a intégré des sociétés qui sont aujourd'hui mondiales. Avant TZ, avant l'attaque, avant Tanger Med. Je vais donner un exemple. Fromagerie Belle, la plus grosse usine au monde, se trouve dans cette zone. Le port n'existait pas. Jacob Delafont, aujourd'hui, la plus grosse unité de fabrication de sanitaires dans tout le bassin méditerranéen, se trouve à Tanger. Elle existait avant le port. Donc, Tanger avait cette force, et en plus, ça n'a pas été fait seulement par les Tangérois. C'est que il y avait des conditions fiscales qui étaient intéressantes, il y avait une proximité avec l'Europe, et énormément d'industries, en ayant cette force d'une expérience internationale, beaucoup d'industries se sont installées. Donc, à partir de là, nous avons diversifié, et Tanger est devenu, j'aime bien parler de la région, malheureusement, Tanger s'accapare presque tout. Ça, c'est un problème, hein, c'est vraiment un problème. Mais je vois là, le marketing territorial est en train de fonctionner là. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait avec Monsieur Loualé, on a une réunion, cet équilibre territorial est important aussi. Pour le moment, votre voisin reste calme, donc il ne réagit pas. Non, je ne parle pas de Fès, je parle de sous-territoire, en Tanger, Tétouan, etc. Alors, avec Fès, c'est un autre problème. Donc, c'est une particularité. L'industrie, on a une industrie importante dans le secteur automobile. Mais ce qu'il faut voir, la territorialité permettra certainement de réagir plus vite face aux mutations que nous vivons. L'entreprise, c'est comme une pile rechargeable. Si on ne la recharge pas, elle meurt. L'automobile d'hier ne sera pas l'automobile demain. Il est en mutation profonde. Si on n'a pas cette capacité aussi territoriale d'attirer une nouvelle industrie, une industrie aujourd'hui complémentaire à ce que nous avons, l'industrie automobile à Tanger, à terme, va perdre beaucoup de son poids, pour ne pas dire autre chose. Donc, cette territorialité, nous, on est beaucoup plus sensible sur cette transformation industrielle que Fès, par exemple. Normal, c'est normal, parce que pour nous, l'automobile est vital.
pas la même chose que d'autres régions. Donc, on s'intéresse, on essaie d'offrir des mécanismes un peu qui appropriés pour attirer les investissements. Je crois le CRI, la région, tout le monde est focalisé comment attirer ces nouveaux players au niveau mondial. Et nous jouons tous dans la même direction parce que nous savons que ces secteurs particuliers qui forment un peu le gros du PIB régional sont fondamentaux et nous poussons, cette régionalisation pousse à ce qu'il y ait réellement des nouveautés, qu'il y ait une forme d'une certaine volontarisme régional qui pousse le national à réagir pour attirer les acteurs, pour maintenir le poids de l'industrie que nous avons. Merci beaucoup, Siad El Reis. Vous avez exactement mis en exergue les potentialités de la région, est-ce qu'elle l'a, ce qu'elle avait comme histoire, etc. Maintenant, je voudrais me retourner vers Amjed. Vous avez évoqué tout à l'heure le PDR, le schéma directeur. Comment vous pouvez faire évoluer de votre côté, en tant qu'acteur de l'investissement, ces PDR pour qu'ils soient résilients, qu'ils suivent les évolutions modernes? On a parlé de décarbonation, on a parlé de problématiques nouvelles, comme le développement durable et intégré, voire même inclusif. Comment vous êtes agissant donc sur ce PDR de manière à ce qu'il puisse être dynamique et résilient et accompagner, bien sûr, la force d'investissement au niveau régional et national? Vous savez, le PDR, donc le programme de développement régional, donc c'est le conseil régional de chaque région, donc qui est. Si vous voulez juste vous rapprocher un petit peu du micro pour la salle. Bien sûr, oui, oui. Là c'est bon. Oui, parfait. Bah, c'est pour eux, surtout moi je vous entends. Bien sûr. Donc je disais, c'est le conseil régional. Maintenant, nous sommes bien sûr tous impliqués, concertés aussi dans le cadre de ce PDR, parce qu'il a un grand impact justement sur le développement de la région. Maintenant, il faut pas oublier que le programme de développement régional c'est sur 5 ans, donc c'est sur le mandat justement du conseil régional. Donc l'idée et notre rôle en tant que CRI, c'est d'intégrer justement les éléments stratégiques dans les 5 années à venir. Donc, quand je vous ai parlé justement de la vision stratégique et de notre stratégie à l'horizon 2035, donc nous avons, pour converger avec le PDR, fait une étape 2027 pour qu'il y ait justement, pour que ce soit concret. Donc, on a fait cette étape 2027 et avec une étape 2035 qui match, qui coïncide avec le nouveau modèle de développement. Pour faire intégrer ces éléments au niveau du PDR aussi, nous faisons partie intégrante du comité du suivi du PDR, et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc peut-être lors de nos discussions, nous avons aussi signé une convention de partenariat avec le conseil régional pour que les données justement soient échangées et pour qu'on soit partie prenante. Si Ben Abdallah l'a mentionné tout à l'heure, nous avons déjà initié des projets pour anticiper. C'est difficile de parler après Ben Abdallah parce qu'il est tout livre. Ah oui, bien sûr. Vous avez une petite marge de manœuvre pour exprimer encore les atouts de la région, mais allez-y. Non, mais j'ai de la chance de parler avant Ben Hayoun, parce que sinon j'aurais rien à dire. Mais on n'est pas sur la même région aussi, attention. Donc ce que je disais pour compléter, pour finir mon point, il y a des idées déjà. Avant justement le programme de développement régional, donc on a déjà été dans la décarbonation avec soit des zones, si Ben Abdallah en a parlé, mais aussi des programmes pour accompagner les industriels. Parce que le foncier, c'est primordial, mais il faut aussi d'abord sensibiliser les acteurs. Parce que foncier sans sensibilisation, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc on a été avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique développée un programme d'accompagnement pour d'abord les sensibiliser, pour faire des audits énergétiques. On a fait des pilotes au sein de l'agropolis de Meknès pour que ce soit justement un pilote à l'échelle régionale, et on continue justement sur cette lancée. Je crois que c'est important à mentionner. Dans le cadre du plan de développement régional, pour revenir à votre point, il y a aussi la dotation d'une zone industrielle d'une énergie 100%
décarbonée. D'accord. Oui. Donc ça c'est important et ça se fait en collaboration avec les autres partenaires. Si vous permettez, il y avait un point sur lequel je voulais rebondir rapidement. Quand vous avez parlé de la digitalisation et de comment justement accompagner l'investisseur, parce que c'est on est là pour ça aussi. Il faut pas oublier, il y a la charte d'investissement qui est venue pour nous faciliter aussi la vie. Il faut le dire. Et le génie de cette charte, c'est que n'importe quel investisseur, là où il est, basé à New York ou à New Delhi, et il peut avoir une idée à peut-être 3% de marge de la prime donc d'investissement à laquelle il aura droit. Donc le rôle du CRI, dans ce cas-là, c'est d'abord de compléter avec les autres acteurs cette offre, de la personnaliser à l'échelle régionale, mais aussi de jouer, de le mettre au cœur de son approche pour assurer que l'approche soit personnalisée. C'est-à-dire, je reçois un investisseur, il faudrait que j'ai l'historique grâce à des outils de CRM, donc de Customer Relationship Management, donc des outils pour assurer le suivi, donc la continuité du suivi, entre les CRI et aussi la MDE, donc pour qu'il y ait justement un suivi de cet investisseur. Un investisseur aujourd'hui, il n'a plus besoin d'aller se déplacer dans différents organismes, si ce n'est pour avoir quelque chose de personnalisé à la carte. Je crois que ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Siam Jad. Donc, vous avez décrit toute une sémantique, la gestion de la relation client, le CRM. Vous avez parlé du processus ou du parcours client qui est déterminant dans l'offre que vous proposez. Et du coup, donc, vous m'avez facilité une transition avec Sijal Al-Benhayoun, parce que je sais que il est aussi sensible à cela, donc à ce qu'on appelle ce parcours client et surtout d'aller vers ce qu'on appelle l'investisseur pour le rapprocher de l'acte d'investir, c'est-à-dire de le transformer. Et je voulais lui poser une question d'ailleurs sur les nouveaux métiers, parce que dans votre offre territoriale, il y a les métiers traditionnels qu'on maîtrise et qu'on connaît, mais vous savez qu'avec les nouveaux enjeux, on parle de ce qu'on appelle la 4.0, l'industrie 4.0. On parle de digitalisation qui est en train d'investir tous les secteurs. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cadre-là, donc à cette nouvelle industrie, surtout que le Maroc, à travers Tanger, est un hub territorial, donc qui permet la connexion Europe-Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on est sur le marché Zleka, 1 700 000 000 de consommateurs, donc qui change complètement le paradigme de l'investissement au Maroc et en Afrique. Et quelle est votre perception par rapport à cela? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, pour compléter ce qui a été dit par mon collègue de FES, justement, le rôle du CRI, c'est de pouvoir répondre à ce que demande l'investisseur, des fois même sans qu'il le demande. C'est qu'on puisse détecter son besoin, l'anticiper. L'idée, elle est dans sa tête, elle est en train de maturer et la faire sortir. Lui donner la bonne information. Vous êtes un accoucheur de projet dans ce cas-là. Lui donner la bonne information au bon moment, sous la bonne forme. Et des fois, même sans qu'il la demande. On parle d'incitation, par exemple. On parle d'incitation. Mon collègue a parlé de la charte d'investissement. Nous, on a ce système de guichet unique d'accompagnement qui permet à l'investisseur, quel que soit, de voir à travers un guide déjà tous les systèmes incitatifs qui existent à l'échelle de la région et à l'échelle nationale. S'agissant de la charte, il peut même rentrer, créer son projet et faire autant de simulations qu'il veut, pas à 300%, à 3% de près, mais il peut vraiment, c'est ça la grande valeur ajoutée de cette charte, c'est qu'on peut calculer nous-mêmes la prime de l'investissement et voir exactement ce dont je vais bénéficier. C'est un système très, très transparent qui vient justement donner cette transparence à l'investisseur et lui donner de quoi il va bénéficier. Pareil pour le fonds régional d'appui à l'investissement, c'est ce qui est sur un budget de 1 milliard de dirhams, 200 millions de dirhams par an durant les 5 prochaines années. On a la possibilité à travers ce site très très bientôt de faire sa simulation de projet et voir de combien de primes d'investissement je pourrais être bénéficiaire et est-ce que je suis éligible ou pas. Maintenant, le rôle du CRI aussi, c'est d'expliquer tout ça à l'investisseur, lui donner l'information, lui donner les pistes et les opportunités d'investissement qui existent au niveau de la région. C'est pour ça qu'on a développé une banque de projets, une banque d'opportunités, de projets d'investissement clés en main au sein de la région, au sein de l'ensemble des territoires,
par secteur d'activité, par territoire, par taille de projet, par typologie d'accompagnement nécessaire. Je voudrais juste vous arrêter sur ce sujet-là. Cette banque de projets est-elle accompagnée par ce qu'on appelle des mécanismes de financement? Tout à fait. D'accord, voilà, ça c'est important parce qu'en fait, un projet, c'est aussi la capacité de financer. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Tout à fait. Dès qu'on parle d'une banque de projet, d'un projet clé en main, automatiquement, on a la taille du projet, automatiquement, on a tous les avantages d'accompagnement qui existent, les possibilités de financement qui existent, comment je peux bénéficier de la charte ou du fonds régional ou des autres incitations financières qui existent dans notre pays et comment il peut être accompagné par le CRI et ses partenaires. Cette banque de projet, ce n'est pas le fruit du travail du CRI, mais c'est le fruit du travail de l'ensemble d'écosystèmes, privés surtout et publics, avec l'ensemble des départements qui travaillent avec nous, qui ont pu donner l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'acte d'investir est un acte très transversal. Personne ne peut avoir toute l'information, donc c'est très important de se mettre sur le parcours de l'investisseur, l'optimiser et lui donner toute l'information dont il a besoin au bon moment. Et maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, on est obligé de faire ça. Tanger est une locomotive, est un hub. On peut dire qu'on est un peu le front de bataille économique du Maroc. Donc, chaque fois, on est poussé, on est bousculé par les investisseurs étrangers pour trouver les bonnes solutions parce qu'ils les trouveront ailleurs. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas la compétition avec les autres régions du Maroc. On fait la compétition avec le Portugal, avec la Turquie, avec l'Europe de l'Est. Quand on reçoit les investisseurs, on leur pose la question, quels sont un peu vos autres choix? Mon choix, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est la Turquie, et vous êtes sur la liste. Parfait, merci beaucoup. Cela, je voudrais vous poser une question à laquelle vous répondez, parce qu'on nous rappelle qu'on a encore 8 minutes, je pense qu'on va interagir avec la salle rapidement, mais je voudrais vous représenter deux régions. Je pense que la jonction que vous faites aujourd'hui, c'est aussi sur la base d'une perspective, c'est-à-dire que vous envisagez des projets communs, donc vous êtes dans cette logique de compétition, mais aussi de coopétition de manière à générer de la valeur. On est à hub, on constitue un hub vers l'Afrique, comme je l'ai dit, ZLECAF, 1,7 milliard de consommateurs, 350 millions de classes moyennes qui a les mêmes standards de consommation que les autres classes moyennes internationales. C'est Mnabla et je voudrais que vous passiez chacun donc, avec une réponse sur cette question. Comment vous pouvez jouer entre les deux régions une compétition qui puisse générer de la valeur et sur quel levier? Merci beaucoup. Le levier est évident, c'est le levier de la complémentarité. On parlait d'atouts tout à l'heure et on n'a pas les mêmes atouts, c'est évident. Et donc, qu'on puisse ensemble faire ce marketing territorial, mais pas pour notre propre territoire, mais pour un territoire plus grand, en faisant rentrer en jeu les atouts de l'autre région aussi, pour pouvoir avoir plus de chances de commercialiser sa région, je pense que ça va être un facteur clé de succès pour affronter la concurrence internationale qui existe aujourd'hui. Il est clair qu'on est deux régions complètement différentes à tous les niveaux. On peut parler de l'industrie et même au sein de l'industrie, les secteurs qui émergent au niveau de Tanger et les secteurs qui émergent au niveau de Fès sont des secteurs qui sont complètement différents. Peut-être qu'aujourd'hui, Fès est plus connu pour le cuir, la maroquinerie, pour un secteur artisanal qui est aujourd'hui classé premier au niveau national. On a aussi d'autres secteurs touristiques ou autres. C'est des secteurs qui ne sont pas très forts à Tanger et les secteurs qui sont aujourd'hui très présents, très forts au niveau de Tanger sont quasi absents au niveau de Fès. Donc aujourd'hui, par rapport à un partenaire étranger, par rapport à un acteur étranger, avoir les arguments de cet ensemble pour pouvoir ne pas le rater, comme on dit, parce que aujourd'hui, c'est ça, il y a une course pour attirer cet investisseur étranger pour attirer ce partenaire, parce que l'investisseur étranger devient vite un partenaire et donc pour pouvoir l'attirer chez soi, on a besoin de plus d'atouts, on a besoin de ce couteau suisse qui nous permettrait d'avoir encore plus d'armes pour pouvoir l'attirer et bien l'accueillir. Merci beaucoup. C'est Adil Reis, vous êtes dans le même état d'esprit, un couteau suisse qui puisse répondre sur plusieurs fronts. Oui, bien sûr. Moi, ça me rappelle un peu la théorie des stratèges militaires qui parlent de profondeur stratégique d'un territoire. Je crois qu'on peut l'appliquer. On peut l'appliquer parce que ce que Fès, la région de Fès peut offrir à Tanger, ce que la région de Tanger peut offrir à la région de Fès, c'est une parfaite complémentarité. Vous avez parlé de tourisme. Et j'aime bien que les régions se disent différentes. Parce que le problème, c'est qu'on clone. Ah, c'est la même chose. Digital, moi, je vais faire le digital. Automobile, je vais faire l'automobile. Après, on ne fait rien.
Donc moi, je préfère afficher une différence et de cette différence, on crée une richesse. On a parlé de tourisme. Bien sûr que le tourisme fait, c'est un tourisme historique, important, culturel, etc. Je le vois parfaitement s'associer avec la ville de Tétouan ou la ville de Tanger. Complémentariser cette offre touristique et que la personne qui va à Fès vienne à Tétouan visiter une ville aussi andalouse, historique, différente, complémentaire et son arrière-territoire. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture. L'Arrache et la région de Meknès. Il y a énormément de choses à construire. L'agriculture, l'agro-industrie, il y a des choses à faire ensemble. Il y a des différences sur lesquelles on doit s'afficher et se dire, OK, chacun continue son chemin dans cette différence, dans cette particularité, mais des choses que nous avons, que nous pouvons compléter, il faudrait les renforcer, les améliorer. Alors là, on va parler de mobilité, comment associer les deux régions, comment les gens qui viennent ici peuvent aller là-bas, comment se retrouver bien en pensant qu'on a commencé ici, on finit là-bas. Il y a des choses à construire ensemble. Oui. Merci beaucoup, Siradi, de cette complémentarité, surtout de l'avoir appréhendée d'une manière globale. Vous avez évoqué la mobilité qui est un enjeu majeur. La logistique est aussi déterminante. Et c'est vrai qu'il y a une complémentarité, façade maritime, visite spirituelle, culturelle, etc., qui peuvent aussi agir dans ce sens-là. Si Jalal Mhayou, je voudrais juste vous rappeler qu'on a 4 minutes, peut-être qu'on prendra une question ou deux de la salle. Allez-y. Très rapidement, en tout cas, on est de cette logique, on est dans cette perspective entre les différentes séries, et notamment avec le série de Fès. À l'entrée, vous allez voir, on a un stand commun. On ne vaut pas Tanger, on ne vaut pas Fès. Même les pâtisseries, il y en avait deux. On a Marquez Ligiaoui Stitmar, donc c'est... quand un investisseur qui vient, c'est que, sincèrement, pour nous, c'est qu'il soit bien servi, qu'il puisse réussir, qu'il puisse croître. Ça ne sert à rien d'envoyer dans un territoire où il ne pourra pas réussir, de lui donner une offre qu'à la fin va se retourner contre le Maroc entier. Parce que quand un investisseur échoue dans un territoire, quand il partira, il va dire que j'ai échoué au Maroc. Je n'ai pas échoué dans le territoire. Du coup, on est en train de travailler ensemble. On est dans cette logique de complémentarité. Il y a des investisseurs qui sont accompagnés au même moment entre les deux régions. L'exemple du premier parc photovoltaïque privé qui a été fait au Maroc, qui a été mis en place au niveau de notre région, un parc sur 70 hectares dans une première tranche, 34 mégawatts, une seconde tranche en cours. Aujourd'hui, il est en train d'être accompagné par Fès pour la même chose pour l'extension et c'est notre rôle, je pense. Merci beaucoup, si Jalal, si Amjad, vous avez 44 secondes et laissez 2 minutes à la salle. Je ne sais pas si vous pouvez alors, relever rapidement, ce défi-là. L'échange, il se fait déjà quand on parle du capital humain. Donc, il y a une bonne partie du capital humain aujourd'hui qui va à d'autres régions, notamment la région de Tanger, sur les 160 000 étudiants aujourd'hui donc de la région Fès Meknès. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est justement de canaliser et d'orienter ce capital humain déjà. Donc, on fait ce travail à l'échelle de la région Fès Meknès parce qu'on veut qu'il y ait une cartographie pour l'existant, mais aussi un matching de ce capital avec les métiers d'avenir, avec les besoins et avec les filières sur lesquelles on veut se positionner. Cet exercice, on peut le faire aussi avec les autres. Merci, c'est Amjad, voilà. Pour ce matching et ce capital humain qui est déterminant, qui peut être un liant, capacité de liaison entre les deux régions. Je m'adresse à la salle, je ne sais pas s'il y a une question ou deux, il y a trois, rapidement. S'il vous plaît, je voudrais que ça soit des questions, hein, pas ce qu'on appelle des interventions qui prennent beaucoup plus de temps. Allez-y, monsieur, parce que vous avez levé la main rapidement. Donc, on va prendre 3 ou 4 questions d'affilée pour assurer les réponses derrière. Micro juste derrière vous. Une question, donc pas de... Une question. Voilà, pas... Bonjour tout le monde. Zer Benjloun, président de la délégation ASMEX, Association marocaine des exportateurs, dont j'étais ton Hussema. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à votre avis, on ne va pas faire réapparaître une notion, une théorie qui est ancienne comme le monde, qui est la théorie des avantages comparatifs et des avantages absolus par région? Moi, je pense qu'on a tout à gagner, mais je soumets la question à vous, à votre discrétion. Parce qu'aujourd'hui, comme M. Raïs l'a signalé, on ne peut pas tous être industriels premier rang, on ne peut pas tous être agriculteurs premier rang. Et je pense que chaque région, pour ne parler en particulier que des régions qui sont présentes chez nous... Vous avez une dissertation. Là. Non, sont des régions aujourd'hui qui ont assez d'atouts et qu'il faut mettre la main à la pâte et qu'il faut aller un peu plus vite. Merci. Merci, Cézouël. Le micro juste à côté de vous, il y a un voisin qui voudrait poser une question. Une question très simple. Moi, Adela Joutier, avocat au barreau de Casablanca. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la dématérialisation
de toutes les procédures, parce que là, on peut créer une entreprise en Londres en 2 jours, 48 heures, qu'est-ce qui nous empêche? Parce que l'attractivité, il y a l'attractivité. Il y a, vous savez, le problème de succursale, le problème de société, les investisseurs deviennent faux. Déjà qu'on est sorti de la tutelle du ministère d'Intérieur, on salue leurs efforts, mais c'est pas leur travail, c'est pas un problème de parler merci avec un investisseur. Merci beaucoup, monsieur. On a retenu la digitalisation et la folie derrière aussi. Merci beaucoup, madame devant. Et puis une dernière question ici. J'espère que vous avez retenu les questions, messieurs. Bonjour, tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis Koubrit Nada, étudiante en 6e année à l'École nationale d'architecture de Tétouan. Et je vous remercie tout d'abord pour cette belle conférence. Mais ma question est relative à mon sujet de thèse, qui est la conception d'un circuit automobile de Formule 1 ici à Tanger. Et je me demande votre avis concernant ce sujet et quel serait l'impact d'un circuit automobile Formule 1, Formule E, WTCC ici au Maroc et notamment à Tanger. Merci beaucoup. Surtout décarboné, madame, parce que la pollution que génèrent ces circuits-là. Allez-y, madame. Merci. Bonjour, je me présente, c'est Lamia de CAFPI. Alors, on opère dans les services financiers, CAFPI, courtier financier. Alors, revenons aux particularités des territoires. Je m'adresse aux intervenants tangérois. Alors, est-ce que vous avez pris en considération une stratégie en vue, bien sûr, il y a beaucoup de compétences ici et des ressources, mais aussi il y a des difficultés sur le marché. On parle de l'économie submergée, du cash et des transactions en cash. Alors, est-ce que vous avez une stratégie ou une réglementation pour orienter les investisseurs vers une démarche qui évite un peu l'économie submergée? Merci beaucoup, madame. Vous savez qu'on était équitable. 2 questions relevées par 2 hommes et 2 questions relevées par 2 femmes. C'est exceptionnel ici dans cette région. À vous le droit de réponse, monsieur. Allez-y. Je vais répondre sur la digitalisation. Je vais aller plus loin. On pense beaucoup à digitalisation. Tout à l'heure, je parlais au conseiller du Parlement. C'est pas le problème de digitalisation, c'est le problème de la lourdeur des procédures, c'est le problème de la non-simplification des procédures. On digitalise ce qu'on veut. Si nous mettons qu'il faudrait rendre 14 000 documents pour avoir l'autorisation, ça ne sert à rien de digitaliser. Il faut que la digitalisation soit associée avec une simplification. C'est très clair. Digitaliser seul ne sert à rien. Donc voilà. Avantage comparatif, évidemment. C'est la différenciation entre une région et une autre. Si je fais mieux que Fès, je dois le faire. Si Fès fait mieux que moi, elle doit le faire. Et cette compétition absurde, nous voulons faire tous la même chose. Décarboner tout le monde, voiture tout le monde, aviation tout le monde, ça n'a pas de sens, vraiment. Et des atouts, il faudrait les garder à la région qui a ses atouts, l'encourager à le faire, on fait autre chose. Merci, c'est Adil. Je pense que... Allez-y, Amjad. Oui, sur le même point, effectivement, il reste à faire, mais si vous parlez de simplification spécifiquement, c'est ça le point. Donc, il faut noter que les papiers ont été réduits sur les 2 dernières années, significativement. Donc, 45% de réduction, aujourd'hui, on est à 9 documents. Aujourd'hui, en termes de délai aussi, on a fait un saut. Je dis pas que c'est le max qu'on puisse faire, non. Il y a une continuité. Ministère de Transition, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Investissement, tout le monde est justement est dessus pour que cette simplification se fasse. Parce qu'on est d'accord que c'est un must, c'est nécessaire. Ouais. Merci beaucoup. Merci si j'allais, beaucoup. Je pense que vous voulez répondre juste sur un petit compliment par rapport à ce qui a été dit par mes amis. Je suis d'accord sur. Avantage comparatif, avantage absolu. On peut s'acharner pendant un siècle pour mettre en place une activité où il n'y a pas les prérequis justement absolus pour la développer, pour avoir l'attractivité, ça ne va jamais marcher. Donc, du coup, on a des ressources limitées. Je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit. Dématérialiser sont des procédures. Toutes les procédures de l'investissement presque sont dématérialisées. Il reste la création de l'entreprise. Je pense que ça va venir incessamment par l'OMPIC. Pourtant, la création peut être réalisée pendant quelques heures au niveau du CRI quand on veut le faire. Et puis, circuit automobile Formule 1, donc c'est un sujet qui est sur la table. On a eu beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés. Maintenant, le sujet, c'est bien entendu, c'est de trouver le foncier, mais d'équilibrer aussi le projet financièrement. Il ne faut pas que ça soit un projet public. Il faut que ça soit un projet viable financièrement sans qu'il y ait réellement de la subvention. Cash, accompagnement de l'informel.
des pas de géants ont été faits dans notre pays, notamment dans notre région. Vous avez vu, avec la fermeture des frontières de Bab Sebta, les efforts d'accompagnement qui ont été faits par les autorités locales, par le CRI, par les différentes parties prenantes, pour transformer des gens qui faisaient du commerce informel, aujourd'hui des commerçants qui importent et qui payent des milliards et des milliards à la douane. Tanger pareil pour les activités à risque avec les trois zones d'activité économique à l'Aouama, à Tanger el-Belia et à Fahsanjra. Donc voilà rapidement ce que je voulais beaucoup dire. Merci beaucoup aussi, Jalal. Si Ibn Abdullah, peut-être une réaction par rapport aux questions. Oui, alors moi, la question de la digitalisation m'interpelle beaucoup parce que je travaille actuellement sur des chantiers parce que j'ai remarqué des problèmes au niveau de cette digitalisation. Le Maroc a entrepris cette réforme de l'administration en essayant de digitaliser, mais sur certains actes, ça a été compliqué. Et l'acte d'investir aujourd'hui, malheureusement, n'est pas centralisé au niveau digitalisation, n'est pas centralisé au niveau de la plateforme du CRUI et du CRI, etc. Mais il y a deux plateformes. Aujourd'hui, l'acte d'investir est une chose et l'acte d'exploiter est une autre chose. Exploiter, ça passe par la plateforme Rojas Ksisadia qui a énormément de problèmes. Et aujourd'hui, on demande aux opérateurs de présenter des documents qui, avant l'ère digitalisation, n'étaient pas demandés. Et ça crée, je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur notre région, on a un peu plus de 400 dossiers d'exploitation qui sont bloqués à cause de ça. Alors, c'est bien d'avoir cet esprit de digitalisation. Je pense qu'il y a un grand travail à faire sur la simplification de ces documents. Je crois qu'il y a un travail qui a commencé à être fait avec le ministère de tutelle. Il nous a été présenté pour essayer de réduire le nombre de documents qui sont demandés. Mais je pense que le chemin va être ardu, va être long pour pouvoir nous adapter parce que la démarche qui a été entreprise, c'était simplement de dire que digitaliser, ça veut dire scanner un document et le mettre sur un portail. Ça ne doit pas être ça. On doit changer de façon de voir la digitalisation dans notre pays. On doit essayer d'améliorer la véracité de l'information qui est communiquée par un investisseur. On doit commencer à croire plus en ces informations et à réduire le nombre de documents et de verrous qui sont mis en place ou bien qui étaient mis en place auparavant. Voilà, merci beaucoup, Ibn Abdullah. On a dépassé le temps imparti, mais c'est pour dire la passion pour ce sujet et puis la matière, la substance à dire sur toutes les problématiques qui ont été exposées. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier infiniment de votre patience, de votre écoute et de votre interaction. Remercier les panélistes, remercier aussi les partenaires, les organisateurs et surtout les soldats invisibles qui ont travaillé pour la réussite de cet événement. Je n'ai qu'à vous invité donc à une pause café qui est offerte par le conseil régional, par le CRI de la région Tanger-Tétouan el-Houssaïma. C'est l'émotion, vous savez, donc on parle d'interrégionalité et je vous souhaite une excellente fin de journée.